L'argent rend fou les gens. Simon, Siméon, Jacques ou Jean, fou qui le cache dans son coffre, fou qui l'épargne, fou qui l'offre, très fou qui le prête à loyer, plus fou qui l'use à festoyer, crache dessus ou bien le baise, ton affaire est toujours mauvaise, de malice ton sac est plein, va. C'est l'argent le plus malin. Après ces quelques paroles d'une chanson populaire écrite par Jules Romain pour illustrer son chef-d'œuvre Volpone avec le génial Harry Bore et le génial Louis Jouvet, j'avais commencé cette lecture des écrivains qui parlent d'argent par l'écrivain le plus symptomatique de l'analyse sur l'argent, c'est-à-dire Émile Zola. Émile Zola, en 1890, a écrit un roman qui s'appelle « L'argent ». L'ambition de Zola était de décrire cette société ultra-capitaliste de l'époque, une société basée sur la bourse, une société basée sur ce qu'on appelle aujourd'hui la financiarisation de la société. Et au milieu de cette description, il y a un personnage fascinant, un personnage qui s'appelle Monsieur Buche et dont le métier est d'être chasseur de débiteurs. Qu'est-ce que ça peut donc bien être un chasseur de débiteurs? Ce sont des gens qui attendent que les personnes ou les entreprises soient à l'agonie pour tout racheter pour une bouchée de pain et revendre tout ça beaucoup plus cher. Quelque temps plus tard, tout ça pour vous montrer que du temps de Zola, il y avait des points communs avec notre époque. Voilà comment Monsieur Buche est décrit par Émile Zola, écrit en 1890. Dès qu'il apprenait une faillite, il accourait, rôdait autour du syndic, finissait par acheter tout ce dont on ne pouvait rien tirer de bon immédiatement. Il surveillait les études de notaire, attendait les ouvertures des successions difficiles, assistait aux adjudications des créances désespérées. Lui-même publiait des annonces, attirait les créanciers impatients qui aimaient mieux toucher quelques sous tout de suite que de courir le risque de poursuivre leurs débiteurs. Et de ses sources multiples, du papier arrivait, de véritables hôtes, le tas sans cesse accru d'un chiffonnier de la dette, bien payé, traite inexécutée, reconnaissance restée vaine, engagement non tenu. En principe, il professait que toute créance, même la plus compromise, peut redevenir bonne. Et il avait une série de dossiers admirablement classés auxquels correspondait un répertoire de noms qu'il relisait de temps à autre pour s'entretenir la mémoire. Mais parmi les insolvables, il suivait naturellement de plus près ceux qu'il sentait avoir des chances de fortune prochaine. Son enquête dénudait les gens, pénétrait les secrets de famille, prenait note des parentés riches, des nouveaux emplois, surtout ce qui permettait de lancer des oppositions. Pendant des années, souvent, il laissait ainsi mûrir un homme pour l'étrangler au premier succès. Quant au débiteur disparu, il le passionnait plus encore, le jetait dans une recherche continuelle, l'œil sur les enseignes et sur les noms que les journaux imprimaient, quêtant les adresses comme un chien quête le gibier. Quant au débiteur disparu, il le passionnait plus encore, le jetait dans une fièvre de recherche continuelle, l'œil sur les enseignes et sur les noms que les journaux imprimaient, quêtant les adresses comme un chien quête le gibier. Et quand il les tenait, les disparus ou les insolvables, il devenait féroce, il les mangeait de frais, les vidait jusqu'au sang,
tirant 100 francs de ce qu'il avait payé 10 sous. L'argent rend fou les gens. Simon, Siméon, Jacques ou Jean. Le deuxième écrivain qui parle d'argent dans ma lecture, c'est Karl Marx. Si on m'avait dit qu'un jour je dirais du Karl Marx, j'aurais eu du mal à le croire, et pourtant c'est le deuxième écrivain qui parle d'argent. Alors je n'ai pas choisi le Marx marxiste en quelque sorte. Je sens une légère inquiétude. Ne vous inquiétez pas, ça fait 4 ans que je joue, ça passe très bien. Hein? Je sais bien que en fin de journée, comme ça, frontalement du Marx, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude compréhensive. Mais croyez-moi, vous allez voir, vous allez être étonné. Alors je n'ai pas choisi le Marx politique. J'ai choisi le Marx philosophe, le Marx, j'allais dire presque moraliste, celui qui a écrit les manuscrits de 1844. Et j'imagine que tous les gens qui sont là ce soir, il y a évidemment beaucoup de gens qui sont très pointus, mais j'imagine qu'il y a parmi eux le fameux Marie, le Robert, celui qui n'avait aucune envie de venir écouter ce spectacle. Ah, le Robert, il me poursuit depuis 35 ans et je l'aime depuis 35 ans. C'est qui Robert? Robert, eh ben, c'est le mari de la guerrière culturelle, de celle qui est abonnée à Télérama. C'est celle qui voit mes spectacles 4 fois par saison. Elle, c'est une guerrière. Elle lui a téléphoné à Robert et elle lui a dit, tu sais que ce soir, on va voir Fabrice Luchini dans Les écrivains parlent d'argent. Il n'est pas emballé, Robert. Il n'est pas emballé. Il va même jusqu'à lui dire, pourquoi tu vas pas avec ta sœur? Elle lui ordonne de le suivre. Et je vais vous le mimer. Quand j'entre en scène pour parler de Zola ou de Marx, elle... Lui. Dès qu'il apprenait une faillite, il accourait, il s'interroge sur la durée. Il n'en revient pas, Robert. Eh bien oui, il est peut-être là ce soir, Robert. Mais qu'il ne s'inquiète pas, je ne le lâcherai pas. Parce que je vais lui avouer, Robert, c'est mon vrai prénom. Et alors donc, il n'y a jamais eu de mépris pour lui. C'est simplement qu'il aurait préféré rester à la télé, tranquille, pépère. Mais il est marié à une guerrière. Il est marié à une femme qui fait 3 expos par semaine. Et il la suit. Mais on reviendra, Robert. Donc j'en étais à Marx, qui a écrit en 1844 que l'argent est la confusion et la perversion universelle des choses. Voilà ce que dit Marx. Ce qui, grâce à l'argent, est pour moi ce que je peux payer, ce qui, grâce à l'argent, est pour moi ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi, le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande que la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles à moi, son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux n'est donc nullement déterminé par ce que je suis. Il est paumé, Robert, il se dit. Mais non, c'est très simple. On dirait du Raymond Devos, mais c'est du Karl Marx. Ce que je suis, écoutez bien, ce que je suis et ce que je peux n'est donc nullement déterminé par ce que je suis. Je vous donne un exemple, dit Marx. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc, je ne suis pas laid, parce que l'effet de la laideur, sa force repoussante est anéantie par l'argent. Je suis un homme sans esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toute chose. Comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit? De plus, il peut acheter les hommes d'esprit. Et celui qui a la puissance sur l'homme d'esprit n'est-il pas plus spirituel que cet homme d'esprit? Moi qui parle l'argent, peut tout ce à quoi aspire un cœur humain, est-ce que je ne possède pas tous les pouvoirs humains? Donc, mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances
en leur contraire. Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, qui lie à moi la société, qui me lie à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens? Et surtout, ne peut-il pas dénouer et nouer tous les liens? L'argent est la divinité visible, la transformation de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire, la confusion, la perversion universelle des choses. Et là, le concept de Marx est extraordinaire. Marx écrit « L'argent fait fraterniser les impossibilités ». L'argent fait fraterniser les impossibilités. Je vous l'ai dit, c'est pointu, c'est frontal, mais c'est comme ça. Et on sent que Marx a envie, pour aller au bout de sa démonstration, de se référer au plus grand génie, c'est-à-dire à Shakespeare. Et Marx va intégrer dans sa démonstration un des textes extraordinaires de Shakespeare, le fameux monologue de Timon d'Athènes qui erre dans son palais et qui commence par cette phrase « La tête savante fait plongeon devant l'imbécile vêtu d'or ». Ça, c'est assez simple, hein. La tête savante, le grand intellectuel, fait des courbettes face au gros con qui est rempli d'oseille. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois des gens qui se crispent, pas du tout. La tête savante fait plongeon. C'est une métaphore, plongeon. Il plonge pas. Non, c'est la tête savante, l'intellectuel, fait plongeon devant l'imbécile vêtu d'or. Tout est oblique. Rien n'est uni dans notre nature maudite que le sentier direct de la perversité. Et là, il découvre son trésor. Que vois-je ? De l'or. De l'or. De l'or, cet or jaune, ce brillant et précieux inconstant. Et là, il dit une phrase extraordinaire, Shakespeare. Ce peu d'or suffirait pour rendre le noir blanc. La laideur beauté, le mal bien, la bassesse noblesse, la vieillesse, jeunesse, la lâcheté, bravoure. Et pourquoi cela, grand Dieu? Pourquoi cet or peut-il faire déserter de vos autels vos prêtres et vos serviteurs? C'est lui qui arrache l'oreiller, placé sous la tête du malade encore plein de vie. Ce jaune esclave forme où rompt les nœuds des pactes les plus sacrés. Bénis ce qui fut maudit. Il place un fripon auprès du sénateur sur le siège de justice. Il lui assure les titres, les génuflexions, les approbations publiques. C'est lui qui fait remarier la veuve flétrie, celle dont les ulcères dégoûteraient l'hôpital. L'or la parfume et l'embaume et la ramène au mois d'avril. Oh, mais c'est magnifique. Et c'est le moment où on intègre les retardataires. Accueillons-les, accueillons-les, car ce n'est pas de leur faute. Ils ont tout fait pour être à l'heure, mais nous sommes dans une ville qui a privilégié les mobilités douces, mais en même temps, il y a une haine qui règne dans cette ville. La trottinette a envie d'écrabouiller le piéton. Le piéton a peur de la bicyclette. La bicyclette crache sur le visage de l'automobiliste. Et le pauvre automobiliste en dépression qui ne parle plus. Encore il y a 20 ans, on entendait les gens s'insulter. Ouais, connard ! Mais maintenant, ils ne parlent plus. Ils sont en dépression. Ils ont fait 110 mètres en 1h20. Ils sont contents. Et les trottinettes agressent le piéton. Le piéton a peur du cycliste. Le cycliste transgresse tout, car il est dans le bien. Il est dans celui qui ne produit pas de CO2, donc il te crache à la gueule. Et cette ville qui était sublime est devenue un champ de bataille, avec des bâtons jaunes partout, hein. Et je pense à cette phrase magnifique de Roland Barthes. Roland Barthes qui disait « J'aime quand une ville est habitable,
Je ne l'aime plus quand elle est visitable et on a l'impression que cette ville n'est plus habitable et nous n'en voulons pas à la dame, à la mère, parce que nous n'attaquons pas quelqu'un qui a des difficultés en ce moment. Nous n'attaquons pas parce que d'abord, on a accueilli tous les retardataires parce qu'on est de gauche. Et on ne veut laisser personne sur le bord du chemin. Et les voilà revenus. Vous avez raté, je vous l'avoue, Zola. Vous avez raté un peu de Marx. Je vais vous résumer. Très rapidement. Ça ne leur fera pas de mal. Je vais vous résumer, mes amis. Car comme vous êtes avec moi, totalement présent, citoyen, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est une soirée surréaliste. Il y a une caméra qui fait des mouvements. J'ai jamais vu ça, mais vous allez vivre. Vous êtes merveilleux. Voilà, il se place. Bienvenue. Bienvenue. Ça a commencé par Zola et après on était sur Marx et sur Shakespeare au moment où vous êtes arrivés. Très peu de retardataires. Sur les 700 personnes, il y en a une dizaine, ça n'est rien. Mais Marx dit en gros, je vais essayer, je suis laid, dit Marx, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc, je ne suis pas laid. En gros, hein, en résumant. Je ne suis pas laid parce que l'effet de la laideur, sa force repoussante est anéanti par l'argent. Je suis un homme sans esprit, sans culture, mais l'argent est l'esprit réel de toute chose. Comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit ? De plus, il peut acheter les hommes d'esprit. Vous comprenez ? Et après, au moment où vous êtes arrivé, on était dans Shakespeare, La Merveille, où il dit comment ça se fait que l'argent place des fripons auprès du sénateur sur le siège de justice. Il lui assure les titres, les génuflexions, l'approbation publique. Et là, la dernière phrase qui est sublime, c'est lui l'argent qui fait remarier la veuve flétrie. Celle dont les ulcères dégoûteraient l'hôpital, l'or la parfume et l'embaume, et la ramène au mois d'avril. C'est merveilleux. Et la dame, elle fait comme d'habitude. La dame, elle a réagi au moment des ulcères, elle a fait oh. Mais il faut savoir que c'est Shakespeare, vous comprenez, et qu'il faut aller au bout de la phrase pour comprendre le génie de ce poète, hein. On la voit, la dame qui arrive à l'hôpital avec les ulcères, et dès qu'elle sort la monnaie, tout le monde dit « bienvenue ». C'est ça que Shakespeare dit, hein. Comment se fait-il qu'il place des fripons près du sénateur? Ne vous inquiétez pas, au premier rang, tout est sous contrôle. J'ai fait 3 picots, j'ai fait 84 pénétrations dans mon nez et je ne vois personne. Donc ne soyez pas inquiets. Mettez quand même votre masque, on ne sait jamais parce que des fois, j'y vais. Alors, il y a une pluie, une pluie. Et maintenant, on va parler d'un troisième écrivain qui n'a rien à voir avec le génie lyrique de notre ami Shakespeare. Le troisième écrivain qui vient, il s'appelle Cioran. Alors, pour les quelques-uns qui ne connaissent pas Cioran, et ça nous est égal, nous ne définissons pas les gens par leur connaissance, mais pour les quelques-uns, parce que je pense qu'être là ce soir, c'est quand même du très haut de gamme. C'est du très haut de gamme, mais Cioran est un moraliste. Cioran est un merveilleux écrivain, adoré par Jean d'Ormesson, adoré par Beckett. Il a écrit 3-4 grands succès, je dis de petits succès, plutôt pour les intellectuels, pas en tête de gondole, Gare du Nord, hein. Mais il a écrit 3 grands livres qu'il ne faut lire que quand vous êtes très très en forme, le premier étant « De l'inconvénient d'être né », qui a vraiment un livre merveilleux. Il y en a un deuxième que je vous conseille quand vous êtes en forme, hein. « Syllogisme de l'amertume ». Et le troisième qui est son chef-d'œuvre, « Sur les cimes du désespoir ». Alors, Cioran, c'est un homme qui est né en Roumanie. Petite rapide biographie pour les quelques-uns qui peut-être ne le connaissent pas. Et nous ne lâchons jamais les gens, nous ne lâchons jamais personne, parce que c'est ça. Je dirais être de gauche, toujours prêt à aider, toujours supérieur moralement, c'est très important. C'est toujours supérieur moralement. Et Cioran, il est né en Roumanie, dans les montagnes.
C'est pas évident, la Roumanie, mais dans les montagnes, là où ils ont fait les films de vampires. Il est né d'un couple merveilleux, tout est très croyant. Son papa était pop, je crois, c'est-à-dire le chrétien orthodoxe, prêtre orthodoxe, et sa maman était très pauvre. Et dès l'âge de 10-11 ans, Fiora était déjà très, très malheureux et très inquiétant. Il n'avait comme activité que de se promener dans les cimetières vers 9 ans et demi, 10 ans. Et il avait une passion, c'est de s'en aller 20 jours dans les montagnes à 12 ans. Il revenait complètement hagard, n'ayant même pas dormi 2 heures. Et il était tellement malheureux qu'un jour, sa mère lui a dit cette phrase étonnante: « Ma seule erreur, c'est de t'avoir laissé naître. » Ça n'aide pas. Vous avez vu la dame à la fête? Ça, c'est un public, t'as entendu? Et ça, c'est merveilleux. Cette femme, qui est peut-être une mère, réalise que c'est monstrueux. Et c'est peut-être ça l'explication des titres de Cioran, de l'inconvénient d'être né. Syllogisme de l'amertume. Voilà ce qu'il écrivait. Pour vous définir un petit peu qui est Cioran, et je vous conseillerais modestement de lire tout son journal, qui est une merveille. Un jour, il rencontre un général encore plus déprimé que lui. Alors, il a habité dans une chambre de bonne en face du théâtre de l'Odéon, et il n'a jamais bougé de cette chambre de bonne. Il est devenu un écrivain très admiré. Je vous dis, Beckett, Jean d'Ormesson, les gens venaient le voir comme une autorité absolue. Et il est resté toute sa vie dans une chambre de bonne. Et un jour, dans son immeuble, il a croisé un général qui allait très mal, lui aussi, qui était en dépression. Alors, il lui disait, ça, la vie est épouvantable. Il avait trouvé pire que lui. Alors, à un moment, pour s'en aller de la conversation, Cioran a dit au général, il faut prendre les choses avec philosophie. Hein? Et le général lui aurait répondu obligatoirement. Et il a fait un bouquin, Cioran, qui s'appelle « De l'utilité des adverbes ». Eh bien, je vais vous dire, un autre jour, aux alentours de 1949-1950, il allait faire son marché rue de Bussy, comme tous les matins. Il aimait énormément les gens du peuple. Il n'aimait pas tellement les littérateurs, les plumitifs, comme il les appelait. Et un jour, il rencontre cette femme qui était la concierge. Il adorait les concierges. Il avait une passion pour les concierges. Et il a rencontré une dame qui était la concierge de l'hôtel La Louisiane, hôtel qui existe encore, rue de Bussy. Et il lui dit, comment ça va ce matin? Et c'est là que la dépression a commencé, qui a duré 71 ans. C'est que là, il a dit à cette femme, comment ça va aujourd'hui, chère madame? Et elle aurait répondu, ça suit son cours. Et il se serait effondré parce qu'il a vu où ça allait. Il a eu la révélation de la mort. Donc, pour vous résumer, qui est la philosophie de Cioran, qui n'est pas tellement un philosophe, qui est plutôt un moraliste, un peu comme Chamfort est un moraliste. Non, pas Alain Chamfort. Non, parce qu'il y a une dame qui m'a écrit en disant « J'aurais jamais pensé que mon chanteur préféré en avait autant sur le... » Mais non. Ça, c'est Alain Chamfort, qui est très bien. Mais là, je parle de Chamfort, le grand, grand moraliste qui a dit cette phrase merveilleuse « La seule journée ratée est la journée où l'on a pari. » Et que Nietzsche adorait, qui prenait pour un des grands, grands moralistes de la langue française, car Nietzsche avait toujours tendance à trouver que nous étions les inventeurs. Et c'est Nietzsche qui parle, quand je te dis que c'est pointu, c'est Nietzsche qui parle. Robert, on a déjà marre, il n'en peut plus, là. Il se demande combien de temps ça va durer. Mais tu n'es qu'au début, Robert, hein. Parce que je sais très bien tes motivations. Ce n'est pas uniquement d'écouter du Cioran ou du Charles Péguy. Toi, tu te dis dans ta petite tête, un effort culturel, peut y avoir une récompense à la baraque. Mais c'est pas mécanique, Robert, ça n'est pas mécanique. Parce que il faut jamais oublier la phrase de Marguerite Duras, les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Non, il lui croit qu'il y a une nouvelle perspective. Non. Jouir par l'oreille, selon Marguerite Duras, c'est par la voix. Non, tu gardes les mêmes habitudes. Non, lui, voyez, non. Il faut que tu comprennes.
que c'est fini le côté... Non, c'est fini ça. Ici, puisque ta femme vient ici, c'est qu'on est... pas du tout en entrée de gamme, on est dans le très haut de gamme. Et je sais le petit conseil que je peux te donner quand tu sortiras. Ne sors pas accablé. D'abord, sors en ne disant pas un mot. Comme ça, elle aura l'impression que tu penses. Et rentre, sors en étant intériorisé, à la Musset, un peu dépressif. La clientèle que j'ai féminine aime les tourmenter. Si tu sors en disant « alors j'ai envie de niquer, on va chez toi, on va chez moi », c'est complètement foutu. Non, mais il faut que tu passes un peu dépressif et qu'arrivé à la voiture, il y aura le moment merveilleux où elle va te demander le stylo pour remettre son chignon comme seul le génie féminin sait faire. Et elle va te dire « alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Tu joues très gros, Robert. Tu joues très, très gros. Je te le dis, si tu dis « je me suis fait chier », c'est fini. Par contre, tu peux inventer une phrase comme « j'ai adoré l'acuité métaphysique de Cioran ». On m'a donné, même après l'envie. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Il sait plus où il en est, Robert, il dit, c'est Johnny qui a écrit ça. Non, Johnny a écrit d'autres choses. Mais on va revenir quand même à des choses plus profondes. On va revenir à cette lettre extraordinaire de Cioran. Ça traduit presque toute sa philosophie. Cioran écrivait à sa meilleure amie, c'était en 1978. Elle s'appelait Helga Perse. « Quand j'étais jeune, écrit Cioran, je pensais à la mort à tout instant. » C'était une... Oh, elle est merveilleuse, elle commande toutes les phrases que je dis. Nous ne la jugeons pas. Elle a fait l'effort de venir et nous l'aimons. Mais c'est rare que sur deux phrases, elle arrive à adhérer. Ça, j'aime énormément. Vous allez voir. Quand j'étais jeune, je pensais à la mort à tout instant. C'était une obsession, même quand je mangeais. Toute ma vie était sous l'emprise de la mort. Cette pensée ne m'a jamais quitté, mais elle s'est affaiblie avec le temps. C'est toujours une obsession, mais ça n'est plus une pensée. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une dame... Et nous avons parlé d'une connaissance commune, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Elle disait qu'il valait mieux ne pas le revoir, parce qu'il était très malheureux, il ne faisait que penser à la mort. Je lui répondis, à quoi d'autre voulez-vous qu'il pense? Il n'y a pas d'autre sujet finalement. Bien entendu, c'est beaucoup mieux de ne pas y penser, mais il n'y a rien d'anormal à ce qu'on y pense. Il n'y a pas d'autre problème. C'est bien parce que j'étais à la fois libéré et paralysé par cette pensée de la mort que je n'ai rien fait dans ma vie. Enfin, on ne peut pas avoir de métier quand on pense à la mort. On peut seulement vivre comme j'ai vécu, en marge de tout, comme un parasite. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une journée terrible dans cette journée de ce grand écrivain. C'est la journée où on l'a renvoyé. D'abord, il a complètement abandonné sa langue. Il a abandonné la langue roumaine pour devenir un styliste de langue française. Il a eu envie d'abandonner cette langue pour devenir un grand formaliste de la langue. Et il écrit à une amie cette journée tragique qui a à voir avec l'argent. C'est en 1987. Anka Visdaï, elle s'appelle. Chère amie, pendant 20 ans, avec presque rien, ma subsistance se trouvait assurée, vous savez. Oh oui, je vivais dans un hôtel bon marché et je mangeais dans les restaurants universitaires. Un des jours les plus sombres de ma vie a été celui où l'on m'a convoqué à l'université pour m'annoncer que la limite d'âge pour accéder au foyer d'étudiants, c'est-à-dire au restaurant, était de 27 ans. Comme j'en avais un peu plus de 40,
Tout était fini, tous mes projets, tout mon avenir s'est écroulé. Je me voyais si bien en éternel étudiant, raté et pauvre, traînant avec d'autres déchets de mon espèce au quartier latin. Ça correspondait si bien à ma vision du monde. Je me disais constamment, il faut tout faire sauf travailler. Il faut tout faire sauf travailler. C'est exactement le contraire de l'écrivain qui va venir. Qui lui a écrit « Travailler, c'est prier ». L'écrivain qui va venir est un écrivain majeur. On le connaît moins bien en France. Cet écrivain, c'est Charles Péguy. Il est mort en 1914. Il a écrit en 1913 un petit chef-d'œuvre, tout petit, extraordinaire. C'est un de ses livres merveilleux qui s'appelle « L'argent ». La vie de Péguy est étonnante. Les gens ne connaissent plus très bien qui est Péguy. Je vais vous expliquer modestement ce que j'ai compris de sa biographie. Il est né à Orléans, d'une maman très pauvre, très modeste, qui avait comme métier un métier qu'on ne connaît plus et qui s'appelle rempailleuse de chaises. Elle était paysanne et la nuit, pour élever son enfant, elle était rempailleuse de chaises. Il a écrit les plus beaux poèmes sur le génie français. Il a écrit les plus beaux poèmes sur Jeanne d'Arc. Charles Péguy. Péguy, Péguy, quand nous avons des drames comme le drame que nous avons traversé avec l'affaire de Samuel Paty, quand nous avons les drames de ne pas comprendre qu'est-ce que veut dire la laïcité et la spiritualité, comme notre pays est traversé par tous les problèmes de neutralité, de religion ou de république, tous les problèmes, Péguy en a parlé. Alors, Péguy, pour vous dire au début, il est parti avec sa maman à l'âge de 12-13 ans et on l'a emmené à l'école pour passer le certificat d'études ou peut-être un autre examen. Et là, il y a un professeur, ce qui a été une révélation pour Péguy. Et il a vu cet enfant et il a dit « ce gosse doit apprendre le latin et le grec ». Il a été arraché à sa condition de fils de pauvre et il est devenu l'intellectuel, un des intellectuels les plus brillants, des Jean Jaurès, des Léon Blum lui demandait son avis. Il était Péguy. Péguy, fils de paysan, pauvre, a fait normal sup et il est devenu le grand écrivain, l'immense écrivain, l'incarnation de l'ascenseur social. C'est Péguy. Péguy né à Orléans, dans une maison misérable qu'il appelait ma maison de pauvreté. Il a toujours aimé la maison de pauvreté. Pour comprendre bien le texte qui va arriver, il faut comprendre que Péguy n'a qu'une obsession, c'est la misère. Il n'a aucune envie totalitaire. Il n'a pas été tenté par un anarchisme ou un marxisme. Il veut qu'il n'existe plus de misère. Mais la pauvreté chez Péguy a un terme qui n'est pas le même que nous aujourd'hui. La pauvreté, c'est une vie simple, des livres et une maison de pauvreté. On pourrait presque dire, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, une incarnation de la décroissance, mais avec un génie qui dit « des livres, une maison de pauvreté, rien ». Et ce qui est merveilleux, c'est que le texte que je vais vous lire, c'est d'abord un hommage au professeur. Il n'y a pas plus grand défenseur des instituteurs que Péguy. Péguy a transformé sa vie grâce à l'école républicaine. Voilà ce qu'il disait en 1913, un an avant de mourir dans la guerre épouvantable de 1914. Voilà ce que disait Péguy. Mais comment ne pas regretter la sagesse d'avant? Comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus? On ne parle aujourd'hui que de l'égalité et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors, on avait des enfants, ils n'avaient aucunement cette impression que nous avons d'être au bagne, ils n'avaient pas comme nous cette impression d'un étranglement économique, d'un collier de fer qui tient à la gorge et qui se serre
tous les jours d'un cran de tout ce peuple, mes amis, de tout ce peuple, les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu'étaient nos instituteurs. Il est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs, ou à peine. Non, non, c'était des maîtres d'école. Et nos maîtres d'école étaient beaux comme des hussards noirs. Ils étaient vêtus d'un costume noir avec un liséré violet. Ils faisaient le plus beau métier du monde. Ils enseignaient à nos enfants le génie de Victor Hugo, de La Fontaine, de Molière, de Racine et de Corneille. C'était nos maîtres d'école. Et ils étaient beaux comme des hussards noirs. Nos vieux maîtres d'école n'étaient pas des hommes de l'ancienne France. Le vrai texte, c'est que pour Péguy, l'ancien régime n'est pas l'ancien régime du temps de la Révolution. C'est que la thèse de Péguy, c'est que la France est devenue fragile au moment où elle s'est industrialisée énormément et que dans cette industrialisation monumentale aux alentours de 1900, eh bien ceux qui ne demandaient rien, ceux qui étaient fragiles mais qui vivaient correctement, c'est cela qu'on a attaqué. Et c'est contre cette horreur que Péguy s'est levé. Nos vieux maîtres d'école n'étaient pas seulement des hommes de l'ancienne France. Ils nous enseignaient au fond la morale même et l'être de l'ancienne France. Je vais bien les étonner. Ils nous enseignaient la même chose que les curés. Et les curés nous enseignaient la même chose qu'eux. Toute leur contrariété métaphysique n'était rien en comparaison de cette communauté profonde qu'ils étaient de la même race, du même temps, de la même France, du même régime, de la même discipline, du même monde. Ce que les curés disaient, au fond, les instituteurs le disaient aussi. Et ce que les instituteurs disaient, au fond, les curés le disaient aussi. Car les uns et les autres, ensemble, ils disaient, les uns et les autres, et avec nos parents, et dès avant eux, nos parents, les parents de nos parents, ils nous disaient, ils nous enseignaient cette stupide morale qui a fait la France et qui aujourd'hui encore l'empêche de se défaire. Cette stupide morale à laquelle nous avons tant cru, à laquelle, sot que nous sommes, et peu scientifiques malgré tous les démentis du fait, à laquelle nous nous raccrochons désespérément dans le secret de nos cœurs, cette pensée fixe de notre solitude, c'est de tous que nous la tenons. Tous les trois, les maîtres d'école, les curés, nos parents, ils nous enseignaient cette morale. Ils nous disaient qu'un homme qui travaille bien et qui a de la conduite est toujours sûr de ne manquer de rien. Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'il le croyait. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'était vrai. Les uns paternellement et maternellement, les curés, les autres scolairement, intellectuellement, laïquement, les maîtres d'école, mais tous doctement, tous avec beaucoup de cœur, ils enseignaient, ils croyaient, ils constataient cette morale stupide qu'un homme qui travaille tant qu'il peut, qui n'a aucun grand vice, qui n'est ni joueur, ni ivrogne, est toujours sûr de ne jamais manquer de rien. Et comme disait ma mère, qu'il aura toujours du pain pour ses vieux jours. Ils croyaient cela tous d'une croyance antique et enracinée, d'une créance indéracinable, indéracinée, que l'homme raisonnable est plein de conduite, que le laborieux était parfaitement assuré de ne jamais mourir de faim, et même qu'il était assuré de pouvoir toujours nourrir sa famille, qu'il trouverait toujours du travail et qu'il gagnerait toujours sa vie. Tout cet ancien monde était essentiellement le monde de gagner sa vie. Et c'est peut-être là la différence la plus profonde
l'abîme qu'il y ait eu entre tout ce grand monde antique, païen, chrétien, français et notre monde moderne, coupé, comme je l'ai dit, à la date que j'ai dit, nous avons connu, nous avons touché un monde. Enfin, nous en avons participé, où un homme qui se bornait dans la pauvreté était au moins garanti dans la pauvreté. C'était une sorte de contrat, une sorte de contrat sourd entre l'homme et le sort. Et à ce contrat, le sort n'avait jamais manqué avant l'inauguration des temps modernes. Il était entendu que celui qui faisait de la fantaisie, de l'arbitraire, que celui qui introduisait un jeu, que celui qui voulait s'évader de la pauvreté risquait tout, puisqu'il introduisait le jeu, il pouvait perdre. Mais celui qui ne jouait pas ne pouvait pas perdre. Il ne pouvait pas soupçonner qu'un temps venait et qu'il était déjà là. Et c'est précisément le temps moderne où celui qui ne jouerait pas perdrait tout le temps. L'acceptation de la pauvreté décernait une sorte de brevet, instituait une sorte de contrat. En d'autres termes, il ne pouvait prévoir nos maîtres d'école, nos parents et nos curés. Il ne pouvait prévoir, il ne pouvait imaginer cette monstruosité du monde moderne. Il n'avait point à concevoir ce monstre d'un Paris comme est le Paris moderne, où la population est coupée en deux classes, si parfaitement séparées, que jamais on n'avait vu tant d'argent rouler pour le plaisir, et l'argent se refusait à ce point au travail, et tant d'argent rouler pour le luxe, et l'argent se refusait à ce point à la pauvreté. Vous voyez ce qu'on entend toute la journée, la financiarisation, l'aberration de ceux qui ne font rien et qui font fructifier tout ce capitalisme que même des gens de droite intelligents auxquels ils sont hostiles, parce que ça c'est l'argent de la financiarisation. Peggy l'avait défini définitivement quand il dit qu'il y a tant d'argent roulé pour le plaisir et l'argent se refuser comme une femme qui se refuse et l'argent se refuser à ce point au travail, et tant d'argent roulé pour le luxe, et l'argent se refusait à ce point à la pauvreté. Il n'y avait pas du tout de haine, c'est pas un robespierriste, Peggy, il ne veut pas détruire, il ne veut pas attaquer les riches, c'est pas son problème c'est qu'il ne doit pas exister la misère, car la misère attaque l'homme dans sa pensée, dans son esprit. La pauvreté peut être digne pour Peggy. Peggy vivait comme un homme pauvre dans sa petite maison de pauvreté avec ses livres. Mais Peggy connaissait tout Victor Hugo par cœur. Peggy a fait Normal Sup. Peggy est l'incarnation de l'ascenseur social. Et maintenant que je m'interromps avant d'attaquer un autre écrivain, j'en profite pour remercier Dominique Régnier. Je crois qu'il est là ce soir. Dominique Régnier est un politologue exceptionnel. Et si je suis là ce soir avec ses textes, c'est grâce à lui et à son épouse. Maintenant, je vais parler d'un autre écrivain. Un écrivain qui n'a rien à voir avec Peggy et qui pourtant a un point commun avec Peggy, c'est qu'il a fait lui aussi la guerre de 14. Mais Peggy est mort dans cette guerre. Et l'écrivain qui va venir, qui est un écrivain majeur, monstrueux, raciste, génial et en même temps inhumain, cet écrivain lui aussi a fait la guerre de 14 et il en est sorti abîmé, estropié, mais il en est sorti avec la médaille de récompense héroïque, étrangement. Évidemment, vous l'avez reconnu, l'écrivain qui va venir, c'est Louis-Ferdinand Céline. Rien n'est plus éloigné que Peggy et Céline, mais il y a un point commun qui les réunit. C'est d'abord, évidemment, Céline est un génie du style et Peggy est un très grand prosateur. Et le point commun qu'ils ont, c'est qu'en plus d'être des gens de 14-18, ils sont tous les deux des écrivains. Il y en a un qui était dans l'amour, qui a commencé socialiste avec une fièvre. On n'imagine pas la fièvre de Peggy dans son socialisme. Et qui après a eu la révélation chrétienne et qui est devenu un chrétien et qui est mort en héros. Alors évidemment, Céline est sortie de la guerre de 14
75% abîmé. Il est devenu médecin, médecin des pauvres. Il est parti en Amérique, il est parti en Afrique. Et en rentrant à Paris, il s'est occupé d'un petit cabinet à la Garenne-Rancy, le Clichy-sous-Bois de notre époque. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Céline va devenir médecin des pauvres et il va envoyer le livre qui va perturber toute l'histoire de la littérature du XXe siècle. Entre 1930 et 1931, Céline va envoyer dans un paquet de journal le monument de l'histoire du XXe siècle. Il va envoyer ça à Gallimard et il va leur dire « Voilà, c'est le prix Goncourt pour l'heureux éditeur. » Voilà, et il avait raison d'ailleurs. Et ce livre va être refusé par Gallimard, mais ce livre va perturber. Quand Emmanuel Berle, qui avait toutes les raisons de détester Céline, car qu'il était juif, Emmanuel Berle, quand il dit que les deux plus grands tempéraments romanesques du XXe siècle sont Marcel Proust et Céline, évidemment, Céline est un écrivain qu'on doit prendre pour son génie littéraire et non pas pour ses positions, car les positions politiques de Céline, après 33, enfin 32, il édite le Voyage au bout de la nuit, c'est un très grand succès. Et puis, il incarne tout l'antisémitisme français de ses parents, et il commence à visualiser qu'on lui a pas donné le Goncourt à cause des forces, etc. Et il est rentré dans le délire pour arriver au pamphlet de 1936. Mais le Céline du Voyage au bout de la nuit est arrivé comme un messie pour la gauche de l'époque. Trotsky a écrit des lettres entières. Il y a Aragon, Triolet qui l'ont absolument traduit en russe. Et Céline commence donc par la guerre de 14. Après, il s'en va en Afrique. Et puis après, il prend un bateau pour arriver en Amérique. Et il arrive en Amérique en 1929, en pleine crise financière. Ça tombe assez bien pour le sujet de mon spectacle. En pleine crise financière, Céline arrive, et c'est de lui qu'on doit les premières phrases magnifiques du chapitre sur l'Amérique dans Le Voyage au bout de la nuit. Vous savez, ce chapitre qui commence par « Il arrive en bateau, il est complètement rempli de fièvre et il dit pour une surprise, s'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles, et des ports, et des fameux, même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non, non, non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. On en a donc rigolé comme des cornichons. Et là, il va décrire la sortie du bateau, il va errer, et on va le reprendre au moment où il dit « Comme si j'avais su où j'allais, j'ai eu l'air de choisir encore, et j'ai changé de route, j'ai pris sur ma droite une autre rue, mieux éclairée, Broadway qu'elle s'appelait. Le nom, je l'ai lu sur une plaque. » Et là, il y a le Céline poète. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour avec des mouettes et des morceaux du ciel. Nous, on avançait dans la lueur d'en bas, malade comme celle de la forêt, et si grise que la rue en était pleine, comme un gros mélange de coton sale. C'était comme une plaie triste, la rue, qui n'en finissait plus, avec nous au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. Les voitures ne passaient pas, rien que des gens encore. C'était le quartier précieux qu'on m'a expliqué plus tard. Le quartier pour l'or, Manhattan, on n'y entre qu'à pied, comme à l'église. C'est le beau cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Il y en a pourtant qui crachent par terre en passant. Faut être osé, c'est un quartier qu'en est rempli d'or. Un vrai miracle.
et même qu'on peut l'entendre, le miracle, à travers les portes, avec son bruit de dollars qu'on froisse. Lui, toujours trop léger, le dollar, un vrai Saint-Esprit, plus précieux que du sang. J'ai eu tout de même le temps d'aller les voir, et même je suis entré pour aller leur parler à ces employés qui gardaient les espèces. Ils sont tristes et mal payés. Quand les fidèles entrent dans leur banque, faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça, selon leurs caprices. Pas du tout. Il parle à dollars, en lui murmurant des choses, à travers un petit grillage. Il se confesse, quoi. Pas beaucoup de bruit. Des lampes bien douces, un tout minuscule guichet. Ils ne l'avalent pas, l'hostie. Ils se la mettent sur le cœur. Je ne pouvais pas rester longtemps à les admirer. Il fallait bien suivre les gens de la rue entre les parois d'ombre lisse. Tout d'un coup, ça s'est élargi, notre rue, comme une crevasse. Et là, ça durerait 4h30, donc on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui m'a pris ? Il y a presque plus de 10 ans maintenant, je jouais un spectacle qui était très compliqué, qui s'appelait Poésie, point d'interrogation, où j'avais l'ambition d'interroger la poésie, en passant par Guitry, par Jules Renard, par Rimbaud. C'était un spectacle très compliqué. Il y avait 20 minutes de Rimbaud, frontalement. Je peux vous dire qu'il peinait. Il peinait parce que le bateau ivre, en sortant du boulot, frontalement, comme je descendais des fleuves, je vais pas le dire en entier, Robert, t'inquiète pas, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs, des peaux rouges criards les avaient pris pour cible. Un quart d'heure de Rimbaud, puis après des textes de Paul Valéry, et ça marchait. Et un moment est arrivé, une année ahurissante, une année qui m'a bouleversé. C'est un vieux souvenir pour vous. C'est 2008. Vous l'avez oublié. La crise des subprimes. Vous vous rappelez, moi, ça m'a totalement impressionné. Rappelez-vous, on entendait des termes auxquels on ne comprenait rien. Il faut réinjecter de la liquidité. Attention à l'effet domino. Ils ont acheté de la dette. La Grèce va quitter l'Europe. Et tout le monde, les grands économistes, nous expliquaient que nous vivions une crise aussi grande que celle de 1929. Alors pour comprendre l'économie, pour comprendre le drame qui arrivait et qui allait venir en Europe, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien tous les jours, à 17h50, je regardais « C'est dans l'air » avec Yves Calvi. « C'est dans l'air » avec Yves Calvi et ses chemises. Ces chemises qui me faisaient penser à une phrase de Rimbaud. Je m'habituais à l'hallucination simple. Lui, Calvi, qui habitait une nouvelle race d'êtres humains qu'on n'avait jamais vu avant. Les économistes. Eli Cohen, avec ses cheveux blancs. Oh, je lui enviais la beauté de l'épaisseur, moi qui ai des cheveux fins, minables. Eli Cohen, remarquable, le plus exalté, Philippe de Sertine, celui qui répétait, je crois que les Français n'ont pas bien compris, que le week-end qui arrive, quel week-end de la dernière chance, si Merkel, Sarkozy trichaient, l'idée de s'appeler trichet quand on est banquier, si Sarkozy trichait, Merkel ne réinjecte pas. Alors nous allons vivre 1929, c'est-à-dire la brouette. Qu'est-ce que c'est la brouette ? C'est l'Allemagne. C'est quand les gens partaient chez le boulanger avec 8 millions de Deutschmark. Combien je vous dois pour le pain au chocolat ? 8 millions et demi, d'accord ? Riez pas trop, ça va venir. Mais oui. Parce que les crises de cette ampleur-là, elles sont démentes. Il y avait Bernard Maris qui a été tué dans l'horreur. Il y avait tous ces grands économistes. Et moi, je regardais, j'avais l'impression de comprendre. J'éteignais et je me disais, merde, j'ai toujours rien compris sur le subprime. Alors, vous savez ce que je faisais ? Eh bien, je me retapais la rediffusion à 22h50. Je suis le seul Français qui se tapait deux C'est dans l'air dans la même journée. Le même C'est dans l'air. Et j'ai eu le courage d'appeler Philippe de Sertine. Je me suis dit, il me faut un cours particulier. J'ai appelé Philippe de Sertine. Coup de bol, il m'aime bien. Fabrice, est-ce que vous vous rendez compte que nous vivons... Je sais. Mais vous savez, Fabrice, que nous sommes mercredi et que le week-end qui arrive est le week-end de la dernière chance. Mais vraiment, à ce point-là, si Sarkozy, Merkel et Trichet ne réinjectent pas,
Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vos économies, Loukini, elles vont s'effondrer comme neige au soleil. Quand est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Il me dit, quand vous voulez, je suis disponible. Demain, 13h30, rue de l'Abbaye. C'est un restaurant macrobiotique. S'il n'est pas emballé, mais il vient quand même. Ça y est, j'ai rendez-vous avec Philippe de Sertine, le plus grand économiste, et moi, qui n'a été qu'apprenti coiffeur, dont le seul... la seule récompense, c'est d'avoir fini la nuque de Chaudassin. Eh bien, j'ai rendez-vous avec Philippe de Sertine, rue de l'Abbaye. Il est 13h15, j'arrive et je lui dis, oh Philippe, je suis tellement heureux que vous ayez accepté. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire réinjecter de la liquidité? Qu'est-ce que ça veut dire effet domino? Pourquoi la Grèce va partir à la nage pour aller en Turquie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils achètent de la dette? C'est quoi le problème? Pourquoi les pauvres Américains là qu'on jette dehors, pourquoi on vend leur appartement et pourquoi ça revient vers nous, puis que ça va faire une crise d'Europe et peut-être même la guerre? Pourquoi? Et il me dit, est-ce que vous avez des bases? J'ai dit, j'ai pas de bases, j'ai été coiffeur, j'ai pas été à l'école, j'ai quitté à 13 ans. Il me dit, je vais essayer d'être le plus simple possible, Fabrice, une des plus grandes crises depuis 1929. Vous croyez que c'est de la plaisanterie, mais si le week-end prochain... Alors expliquez-moi, c'est quoi la crise de subprime? Je vais essayer d'être le plus simple possible, Fabrice. C'est un problème qui va impacter toutes les banques européennes. Vous avez bien compris. Toute l'économie des Français et des Européens va être impactée. Je dis, oh là là, à ce point-là. Et c'est où? Ce week-end? Oui, c'est ce week-end. Rien. Ah oui. Prenez par exemple, me dit Philippe de Sertine, la Société Générale. Pourquoi vous dites, par exemple, la Société Générale? J'avais toute mon oseille à la Société Générale. J'ai dit, pourquoi vous dites, par exemple, la Société Générale? Mais parce qu'elle est complètement investie en fonds toxiques, c'est-à-dire, mais elle a acheté de la dette. Comment ça, elle a acheté de la dette? Elle m'en a pas parlé, mais elle en a rien à foutre de la gueule. Mais enfin, moi, je me lève pas le matin en disant, je vais m'acheter de la dette. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais Fabrice, quand je vous dis que le week-end prochain, s'il ne réinjecte pas, eh ben, si vous avez 400 000 euros d'économie, il vous en restera 20 000. J'avoue, je deviens médiocre. J'oublie complètement les subprimes. J'oublie complètement le problème américain. Je pense comme un minable à ma pomme. Et je dis, donnez-lui un jus de carotte, faut que j'appelle ma banque. Je sors, une angoisse me prend, parce qu'il est en train de me dire, on est mercredi, que si samedi, Sarkozy trichait, Mardoum ne réinjecte pas, tout. Alors j'ai une angoisse, j'appelle ma banque. Oui, faut que je dise que c'était une période particulière. C'était 2008. J'étais pour la première fois, je vous l'avoue, devenu primo-accédant. J'adore ce mot. On dirait une maladie des poumons. Primo-accédant. J'ai accédé en premier. Vous savez, moi, j'habitais Barbès, entre Châteaurouge et Barbès. Les gens avaient tous envie de devenir primo-accédant. Il y avait même des chansons. Dang, 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 Yasmina, t'es ma plus belle, mais j'ai mal. Dang, 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 Yasmina, dang, dang, dang. Ach, t'es Delflos. Je veux dire, je sais pas où placer mon argent. Ach, Delflos. Dang, dang, dang. Oui, Yasmina, primo-accédant, dang, dang, primo-accédant, mon nom. Robert, il se dit, c'est une réunion islamiste. Primo accident, ding ding, primo accident. Des fois, j'ai fait une demi-heure un soir. Ça m'a mimé là, je vous en suis sérieux. Il y a la télé, quand même. Primo accident, non, non. Ou primo accident, non, non. Et un primo, primo accident, primo accident, non, non. Primo accident, non, non. Primo, bien primo, primo, primo. Primo accédant, ça veut dire que j'avais 58 ans et je voulais devenir propriétaire d'un appartement. Alors, j'avais appelé ma banque parce que j'avais signé une promesse de vente, parce que j'avais, je vous l'avoue, j'avais de l'économie, que j'avais investi en fonds euros. Vous vous rappelez, monsieur Loukini, vous êtes en fonds euros. Et vous croyez que s'il y a un problème géopolitique, monsieur Loukini, vous êtes en fonds euros. On entendait presque... Enfin heureux! Vous êtes
en fond euro. Même la nuit, dans mes insomnies, je me disais, calme-toi, Fabrice, tu es en fond euro. Tu es en fond euro. Tu es, toi, ça le fait marrer. Il l'a vécu, ce truc, hein, lui aussi. On était tous en fond euro. Et toutes les banques nous disaient, n'ayez aucune inquiétude, c'est le placement de père de famille. Et de certaines me disent que c'est les fonds euros qui vont être niqués. Alors là, là, je deviens fou. Et c'est-à-dire, c'est le moment où je dois vous dire, évidemment, je vous dois la vérité. La vérité, c'est de vous dire, évidemment, c'est presque justifié que vous, inconsciemment, vous ayez envie de me dire, mais de quel montant était votre assurance vie en fonds euros. C'est un moment difficile, c'est un moment cruel, un moment obscène, dans une France qui souffre, dans une France où les inégalités sont de plus en plus grandes. Je vais vous avouer ce soir combien était mon fonds euros. Quand il s'était mauvais sur le PEGI, le public, je faisais durer le suspense 38 minutes et je vous assure qu'il n'y avait aucun bruit. Sur PEGI, ça pouvait tousser. Sur mon fonds euro, il n'y avait aucun bruit. J'ai joué à la Porte Saint-Martin devant 1300 personnes. Ils étaient comme ça. Et Robert, il disait, combien ? Tais-toi ! C'est le seul moment où Robert s'est réveillé. Combien il a en fonds euro ? Il se reconnaît. C'est merveilleux, ce moment. C'est merveilleux. Eh bien, je vais vous le dire. C'est atroce. C'est immoral. Mais je vous assure que je ne l'ai pas volé et que je suis prêt à le donner à Mélenchon puisqu'il veut tout prendre. Je vais lui donner ma montre tout de suite puisque ce sera fait comme ça. Voilà, Jean-Luc, allez t'asseoir. Parce que je m'en fous. Parce que je pense toujours à Michel Bouquet qui me disait « Mais moi, si je vivais dans un régime communiste, j'aurais une voiture de fonction. Les communistes adorent les acteurs. Moi, j'ai passé ma vie à être un acteur de théâtre. J'ai joué Beckett, Ionesco, Thomas Bernard. Je n'ai aucune inquiétude du communisme. Simplement, je serais très malheureux dans une société communiste. Eh bien, je vais vous le dire, mes amis. Mon assurance vie en fonds euros. Était de 992 000 euros. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma faute. On va te couper les couilles, a dit Mélenchon. On va tout prendre. Mais soyez gentils, laissez-moi un peu. On va tout prendre. Eh oh, 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 oh! Par rapport à Vincent Bolloré, je suis un Roumain. 900 000 euros, c'est le niveau d'un niçois en fin de carrière. Un gynéco de qualité, frottis. Il fait, oui, elle réagit à tout. Alors. Donc j'appelle ma banque. Vous avez compris pourquoi j'appelle ma banque? Que je ne peux plus comprendre les subprimes, Robert, il est paumé. C'est pas grave, Robert. J'appelle ma banque parce que comme il est en train de me dire que le week-end prochain... Ne réinjecte pas, il ne va plus rien me rester. Donc j'appelle ma banque pour savoir déjà s'ils ont transféré mon argent comme ils me l'avaient promis. J'appelle ma banque, 01 42 55 12 13. Allô, c'est Lucchini. Non, 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 pas le stagiaire, soyez gentil. Passez-moi la dame du premier. Oui, bonjour. Oui, c'est Lucchini. Vous m'aviez dit qu'en 3 semaines maximum, vous transféreriez, vous m'aviez toujours dit, mon argent, mon assurance vie en fonds euros, hein, sur mon compte. Comment ? Vous trouvez que ma décision n'est pas juste, n'est pas judicieuse. Vous parlez entre vous de mon argent. Écoutez-moi bien, madame. Dimanche prochain, j'ai rendez-vous avec Claire Chazal sur la Une pour parler de Jean de La Fontaine. Et le lendemain, je suis chez Poujadas. Je suis donc à la banquière dans ces termes. Si demain, 11h30, je n'ai pas l'argent qui me revient transféré sur mon compte, eh bien, je vais aller à ces deux journaux télévisés, mais c'est pas de Jean de La Fontaine que je vais parler. C'est de votre banque. J'ai raccroché. 15 minutes plus tard, un SMS. Tout est réglé, monsieur Lucchini. J'arrive chez De Certine. Il me dit, tu as l'air hagard. Je dis, ben, y a de quoi. Si c'est le week-end de la dernière chance, c'est que moi, j'ai tout mon argent.
à la Société Générale. Et il me regarde et il me dit cette phrase étonnante. Tu n'as pas dispatché ? Depuis, j'ai 11 banques. J'ai un CIC à Saint-Germain-en-Laye. J'ai une Société Générale à la Guadeloupe. J'ai l'impression d'être Carlos Ghosn. Allô ? Tous les matins, allô ? CIC de Roubaix ? Oui. Mais 223 euros, 230, pas d'excès. Pas d'excès. Résultat, j'avoue, je ne peux plus entendre les problèmes. Je n'ai qu'une obsession. Arriver demain matin à 11h30 à la Société Générale. Le lendemain, je sonne, je me dirige vers le monsieur qui m'a conseillé en fonds euros. Et là, je le regarde et je l'insulte de la même manière que Céline Louis-Ferdinand a insulté Jean-Paul Sartre en 1947 quand il était en prison au Danemark et que Sartre avait écrit son merveilleux livre « Réflexion sur la question juive » où il écrit à la page 127, je crois, « Si Céline a pu soutenir les thèses des nazis, c'est qu'il était payé ». Céline reçoit ça en prison, il est au Danemark, il est condamné à mort en France. Et il va répondre à Sartre une lettre géniale qui s'appelle « À l'agité du bocal ». Et là, il y a une phrase que je reprends pour mon banquier. Je le regarde et je lui dis « Espèce de petite fiente, gavée de merde, là où tu te trouves dans mon anus, tu ne dois pas y voir bien clair ». Le banquier me regarde et me dit « Mais vous m'insultez, monsieur Lucchini ?» Et je lui ai répondu, non, c'est du Céline, ah bon ? J'adore cette insulte. Parce que être une fiente, c'est pas gay, mais une petite fiente, gavée de merde, ça élargit le programme, c'est rabelaisien. Petite fiente, gavée de merde, là où tu te trouves, dans mon anus. On voyait qu'il faisait un effort de transposition. Le banquier, dans mon anus, il visualisait où tu te trouves. Des comme toi, j'en chie des milliers, des à la manière de... Je me rappellerai toute ma vie, je les ai tous insultés en disant que vous étiez épouvantables. Et il y a une dame qui m'a dit en partant, « Monsieur Lucchini, vous oubliez votre chèque !» J'avais oublié le chèque. On est jeudi à midi et quart. Je prends la Goldwing. La Goldwing, c'est que sur toi. Brrr, je prends la Goldwing et je me dirige vers mon notaire, le plus grand notaire de Paris, celui qui fait la succession Bettencourt. T'as vu, elle a fait oh. C'est du public haut de gamme, ils connaissent bien. La succession Bettencourt. Quand j'arrive, on me dit tu fermes ta gueule, t'es un rat, tu vaux rien, tu vaux un millimètre. On a des vrais riches, donc tu la fermes, tu t'assois. Je suis. Mais, s'il vous plaît, monsieur Presque. J'attends 3h15. J'arrive. Hein, il s'appelle Ben Simon, monsieur Ben Simon, un homme auquel je dois tout. Il arrive et je lui dis voilà le chèque! Il me dit, on signe dans un mois et demi. Ça fait 40 ans que je suis notaire, j'ai jamais vu quelqu'un qui vient amener un chèque un mois et demi avant la signature. Qu'est-ce qu'il y a ? Week-end prochain. Quoi ? Sarkozy ? Trichet ? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Je sais pas, vous vous êtes mis à vous droguer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Week-end prochain, monsieur Ben Simon. Ce que je veux, c'est que vous débitiez, maintenant, pour que cet argent aille à la caisse des dépôts. Vous comprenez ? Mais ça va naturellement à la caisse des dépôts. Pourquoi vous aimez tant la caisse des dépôts, Lucchini ? Parce que c'est la caisse des dépôts. C'est... Elle ne demande rien, elle ne fait rien. On ne sait même pas s'il y a du personnel. Elle ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais niquer les Berlinois avec un milliard. » Non, c'est des yogis à la caisse des dépôts. Il y a peut-être 10 personnes dans toute l'Europe. Ils ne font rien, ils reçoivent. C'est la caisse des dépôts. C'est pas la Société Générale agressive. C'est la caisse des dépôts. Des fois, la nuit, je me dis, Fabrice, c'est la caisse des dépôts. Dépôts, la caisse des dépôts. Tu déposes. Il ne peut pas y avoir d'affaires de transgression à la caisse des dépôts. Ils ne parlent pas, ils ne mangent pas, ils ne font rien.
Et là, il me regarde, il me dit... Vous m'inquiétez, monsieur Lucchini. Je vais appeler mon associé. C'est un Corse, l'associé. Tout ce que je vous dis est vrai. Allô ? Viens vite, il a l'air hyper pointu en subprime. Le Corse arrive ! Je vous le jure que c'est vrai ! Lucchini, j'ai lu dans le Figaro que vous étiez un ami intime d'Eli Cohen et que vous étiez invité chez Nicolas Sarkozy. Vous êtes, paraît-il, disent les journaux, très pointus en économie. Rassurez-nous, nous sommes très inquiets sur les subprimes. Ben, c'est-à-dire que moi, je... Lucky n'y déconne pas. J'ai vu leurs yeux d'angoisse. Et je vous donne ma parole d'honneur que je dis, vous savez, je suis vert encore, hein. Je suis très neuf là-dedans. Je, Lucchini, rassurez-nous. Bon, ben, je vais faire ce que je peux. Je vais vous expliquer les subprimes si vous me promettez que le chèque, vous le mettez à la caisse des dépôts cet après-midi. Il me dit, on ne peut pas mettre la caisse des dépôts l'après-midi, c'est le matin. Oui, mais alors ça va. Vendredi matin, il sera débité quand ? Dans le meilleur des cas, samedi. Mais oui, mais ça m'arrange pas. Pourquoi ? Parce que le week-end prochain, le 15. On peut faire un effort et le mettre en urgence. Alors là, je vous raconte les subprimes. Je vais être le plus simple possible. Et je vous donne ma parole que j'ai commencé en disant, prenez par exemple, pour comprendre les subprimes, prenez par exemple la Société Générale. Et eux aussi, ils avaient tout leur pognon à la Société Générale. C'est une soirée un peu à part. C'est une soirée à part parce que c'est rare qu'il y ait une caméra que je vois inlassablement. Et je vous demande de m'excuser, mais je vais vous faire des cadeaux. Et je le répète, pour le même prix, il n'y aura aucune augmentation du tarif. Mais on va aller très loin cette nuit. Robert est déprimé. Oui, oui, Robert. Mais oui, je sais. Mais tu comprends, n'oublie jamais que les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Tu ne lui dis pas, tu vois, tu aimes ça, hein, fils. Non, un bout de l'air en rentrant. Un bout de l'air, tu sais pas qui c'est, un poème, un bout de l'air. Tu trouveras au bout de deux beaux seins bien lourds, de larges médailles de bronze. Robert, je ne te reconnais plus. Et sous un ventre uni, doux comme du velours. Arrête, Robert, tu me rends folle. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Arrête, Robert. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil. Douleur majestueuse, une femme passa. Là, tu peux y aller. Et maintenant, on a parlé de l'argent. Chez Zola, on a parlé de l'argent chez Marx, on a parlé de l'argent chez Cioran, chez Céline, chez Peggy, et maintenant, on va parler de l'argent dans l'État. On va parler de l'argent dans l'État, et le plus grand de tous, évidemment, c'est Victor Hugo qui sait parler de l'argent de l'État. Vous connaissez la scène, vous vous en rappelez, vous les jeunes là-haut, la scène d'Henri Blas, quand tous les ministres se réunissent au moment où l'Espagne est effondrée, elle ne va pas durer plus de 24 heures, et au lieu de se battre, ils s'échangent le peu qui reste. On voit le dernier conseil des ministres avec des phrases affreuses. Donnez-moi vos nègres, je vous donnerai mes forêts. Mais non, avant de partir, donnez-moi vos forêts, moi je vous donnerai mes nègres. Et là, le rideau se lève, Gérard Philippe l'a joué, et il y a le fameux « Bon appétit !» Messieurs, tu l'as. Oh, ministre. Oh là, on sent que c'est une soirée forte. Oh, ministre. Conseiller. Très bon. Voilà votre façon de... Servir sur la droite, on dirait un mec qui fait des enchères. Servir. Serviteur qui pillait là. Maison à droite, c'est bon. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante... Pleure sur la droite. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante... Pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir. Après, soyez flétri devant votre pays qui... Tombe.
Bon, je sens qu'il y a de l'élève comédien, hein, parce que d'habitude, c'est... Mais... Fossoyeur qui venait le voler dans sa... Tombe. Tombe. Oh là là. La bourgeoisie est là, elle sait qu'elle n'a pas la maîtrise totale du sujet, et que là-bas, les pauvres, les modestes, les sans-grade, ceux à qui on a promis une merveille, qui ont été enfermés 2 ans dans des conditions terribles, ceux qui ont abandonné leur cursus, ceux qui sont en dépression dans la drogue, la prostitution, je leur dis ensemble, avec moi, je veux une France solidaire, je veux une France unie, tous ensemble. Tous ensemble à l'île de Ré. Alors, où j'en étais, donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir. Soyez flétris devant votre pays qui tombe. Faut soyez, tu vois la gueule des ministres, hein. Faut soyez, parce que le bon appétit, il frappe, hein. T'as vu les mecs qui sont là, donnez-moi vos meuniers, donnez-moi les nègres, je vous donnerai les forêts. Bon appétit, messieurs, bon temps. Derrière, tu joues intérieurement, bon temps. C'est ça qu'il faut que tu joues, t'as compris? Si tu dis « Bon appétit, messieurs !» Non. « Bon appétit, messieurs !» Tu imagines, des mecs qui sont en train de se régaler sur l'horreur. « Bon appétit, messieurs !» Aux ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir. Je suis en boucle, serviteur qui pillait la maison, donc vous n'avez pas honte, j'en reprends, hein. Et vous, ça vous fera du bien 2 fois, et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure, donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir. Après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe. C'est bien, c'est partagé, on sent... Fossoyeur qui venait le voler dans ça tombe. Mais voyez, regardez, allez-y, ayez quelques... À vous maintenant, l'Espagne. Et sa vertu, l'Espagne, et sa grandeur. Pas mal. Tout son temps. Oh là là. Perdu le Portugal. Le Brésil. Sans. Combat. En Alsace. Brisac. Saint-Fort en Luxembourg. Toute la comté jusqu'au dernier faubourg. L'Orsillon. Hormuz. Goa. 5 000 lieues de côte. Et Pernambouc. Et les montagnes bleues. Mais bien. Mais allez-y encore. Applaudissons-le. Goa, 5 000 lieues de côte, et Pernambouc et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait, vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce... Rome vous trompe. Il ne faut risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours. L'Autriche aussi vous guette et l'infant bavarois se meurt. Vous le savez. Quant à vos vice-rois. Medina fou d'amour. Medina fou d'amour. J'adore ton accent. Medina fou d'amour. Medina fou d'amour. Parce qu'il y a Medina, il a pris l'accent marocain. Medina fou d'amour. Allez, on reprend. Vas-y, Médina, à toi, Mehdi. Médina, fou d'amour, remplit Naples d'esclandre. Vos démons vont, les gars espèrent. Quel remède? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux. Et sans compter les galères. Alors, vous... Quoi? Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. C'est sublime. Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. Continue. Hélas, les paysans qui sont dans la campagne. Hélas, vas-y, calmement. Insulte quand. Non, mais redis, hélas. Hélas, les paysans qui sont dans la campagne. Hélas, les paysans qui sont dans la campagne, à toi. Non mais attends, hélas les paysans qui sont... Non, c'est difficile de gouverner mais on va y arriver. Hélas, hein, toi le boulot avec Kroma et Pim Poule Soir, les Allemands. Hélas, vas-y, vas-y. Hélas, hélas. Les paysans qui sont dans la campagne paysans. Insultent en passant la voiture du roi. Et lui, votre seigneur, plein de deuil et d'effroi, seul dans l'Escurial, avec les morts qu'il foule, courbe son front pensif sur qui l'Empire roule. Voilà. L'Europe, hélas, s'écrase du talon. Ce pays qui fut pour
Il n'est plus que pareil. Tu sais, faut compenser les caméras. Et alors, ça se termine par... Ça se termine, je crois, si mes souvenirs sont bons, Charles Quint. Pas encore, l'État. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste. Et vous vous disputez à qui prendra le reste. Je sens le cours de Jean-Laurent Cochet. Oui. Vous êtes chez Cochet. Ça a été mon professeur il y a 50 ans. Oui, ça a été il y a longtemps. Ils débutent et moi je suis en fin de piste. Mais regardez, ils sont là. Madame aussi, élève de Cochet. Oui, elle a dit oui. Et la dame lui dit, elle aussi, super contente d'être à côté. Elle a dit la dame à côté. Voilà la France que je veux. Une France. Une France d'amour. Redis-moi où on en était. Messieurs, en 20 ans. Messieurs, en 20 ans, songez-y. Le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi. Portant sa charge énorme. Sous laquelle il ploie. Pour vous. Pour vos plaisirs. Pour vos filles de joie. Ce peuple misérable et compressur encore a sué 400 millions d'or. Oui, le 30, tu l'as niqué. Reprends-le. 400 millions d'or. Refais-le. A sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous osez les mettre. Et maintenant, on réapplaudit toute la bande. À la fin du spectacle. On va... Oui, là, il y en a eu pour beaucoup, mais c'est normal. C'est la dernière. Alors, on va parler du plus grand écrivain français. On va parler de La Fontaine. Et pour bien saisir la fable de La Fontaine, on va parler d'abord de Guitry, qui, 400 ans plus tard, a dit à peu près la même chose que Guitry et d'une manière plus accessible pour nous. Donc on va commencer par Guitry et après je vais essayer de vous dire le La Fontaine qui est une pure merveille et qui est l'occasion de connaître mes goûts à la télévision. Voilà donc les mémoires d'un tricheur. Être riche, écrit Guitry. Être riche, encore une fois, ce n'est pas avoir de l'argent, mais c'est d'en dépenser. L'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. Hein, à quoi peut-il servir quand vous l'avez sur vous? Pour qu'une pièce de 5 francs vaille 100 sous, ben il faut la dépenser, sinon sa valeur est fictive. Quand un homme riche apprend que telle affaire qu'il vient de conclure lui rapportera 200 000 francs, il n'en est digne, à mon avis, que si cette somme prend instantanément pour lui, selon ses goûts, la forme d'un bijou pour la femme qu'il aime, d'un tableau qu'il désire ou d'une automobile. Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, ça c'est Guitry qui dit ça, c'est sur les signes de feinte pauvreté que je taxerais impitoyablement les personnes qui ne dépensent pas leurs revenus. Je sais des gens qui possèdent 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des gens malhonnêtes. Ah oui, le chèque sans provision est une opération prévue au code d'instruction criminelle et c'est justice qu'il soit sévèrement puni. Je serais volontiers partisan d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque. Et maintenant, c'est le dernier texte qui arrive. C'est La Fontaine qui dit la même chose. La Fontaine dit 400 ans plus tôt, l'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours. Mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène, là-bas, est aussi riche qu'eux. Et l'avarice, comme lui, vit en gueux.
L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie. Son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer, jour et nuit, et rendre sa chevanche à lui-même sacrée, qu'il alla ou qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, on lui prit de bien court, à moins qu'il ne songeât où gisait cette somme enterrée. Ça s'arrête deux secondes, parce que quand même, hein, à moins qu'il ne songeât où gisait cette somme enterrée. Gisait, ici, gis, la somme, gisait, gisait, gisait. À moins qu'il ne songeât où gisait. À moins qu'il ne songeât où gisait. Ça a l'air de rien, mais c'est étonnant. À moins qu'il ne songeât où gisait. Ici gis, la somme. T'as compris ? Robert, il est paumé, là. À moins qu'il ne songeât où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours, vous avez compris, hein ? Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit. Ou une taille-roc, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je me mate, depuis des heures, je le demande, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des trous, ses arbitres, toi. Gisait cette somme enterrée. Tant de tours qu'un fossoyeur le vit. Et là, il y a du génie. Se douta du dépôt. Il faut s'arrêter parce qu'il y a 3D. Se douta du dépôt. Quand votre pharmacienne vous dira « Je me suis fait cambrioler hier soir », vous lui répondrez « Ils se sont doutés du dépôt. Comment ?« Ils se sont doutés du dépôt. » T'as compris ? Fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire, notre avare un beau jour ne trouva que le nid. D'accord, Robert, le nid, non mais le nid c'est une métaphore, il trouva que le nid, t'as compris ? Le mec, il a fait un trou, il branchait, il fait des incantations face à son oreille qui est dans le trou. Il y a un fossoyeur, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il voit, boum, il tourne le dos, tac, il lui tire l'oseille. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Le nid, sans les œufs. Ah. Essaye de comprendre. Robert, c'est une métaphore. C'est pas un nid d'oiseau. C'est un nid sans œufs. Mais c'est une métaphore. Peu importe. Il ne trouva que le nid. Voilà mon homme en pleurs. Il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. Ça a l'air de rien, mais je voudrais qu'on revienne sur cette phrase. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. J'ai toujours été passionné par cette intervention. Pourquoi, à notre époque, les gens sont violés dans le RER et personne ne fait quoi que ce soit. Alors que du temps de La Fontaine, quand le gars gueule en disant « Voilà, je déchire !» On me dit « Il arrive et il dit cette phrase étonnante. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. Il faut une légère irritation. Je le sens... Homo, le gars, c'est une perception. Alors, un passant lui demande à quel sujet s'écrit. On peut le faire plus irrité. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. On peut l'imaginer par Frédéric Mitterrand. Voilà mon homme en pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. Bonsoir. On peut imaginer Michel Bouquet ou Louis Jouvet, tiens. Voilà mon homme en pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. Vous voyez comme il n'y a pas de mots, vous les élèves de Cochet. Ça ne veut rien dire les mots. Cette phrase-là, on peut la dire à la Michel Bouquet. Voilà mon homme en pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. La même phrase. Voilà mon homme en pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. C'est le moment de vous dire mes goûts en télévision. Je finirai la femme et je suis obligé de faire la confesse. Voilà ce que je voulais vous dire depuis le début. Je vais très très bas dans la télévision. J'ai une addiction abjecte.
Je regarde la télévision, je vais très bas dans mes insomnies, je fais tout W9, énormément de W9. Les motards, Raymond, 40 ans de service, sait qu'il n'attendra pas longtemps sur la Nationale 11, comme ça. Et là, crac, il prend le revolver, c'est toujours la même scène. Soufflez, monsieur, je t'emmerde. Nous sommes à Palavas-les-Flots, et vers 11h, le paysage se transforme. Robert, grand gendarme, c'est que là, ça va pas être facile. Je vais évidemment jusqu'à Crime de Morandini. Hein, quel est le niveau anxiogène de la région du Grand Est? Le mec qui répond, la moyenne générale, il y a une trentaine de meurtres par an. Oui, ah, bon, c'est moyen, oui. Je vais évidemment les appartements à vendre, ça, le merveilleux avec la fille qui fait du homestanding, si j'avais compris. Mais tu sais, le sympathique Plaza qui arrive, qui dit, ouais, c'est pas bien peint, t'as ton truc, ça pue un peu, c'est pas terrible. Il faudrait que j'appelle ma petite copine. Alors la copine arrive, oui, tu vois, ton ensemble pour la pièce à vivre, j'ai jamais compris, c'est rarement une pièce à mourir, mais enfin, pour la pièce à vivre. Alors, je vous ai fait un petit croquis. Alors, les deux pauvres gens, ils font, oh là là, c'est beau, mais ça ressemble plus du tout. Oh, c'est rien, vous savez. Alors, crac, ils reviennent 15 jours après, on met les yeux fermés, comme ça. Et puis, elle dit, oh, c'est plus la même appartement. Ben non, on a dépensé 38,40 € pour toute la salle de bain. On a fait du fond marbre avec un papier. Le parquet est le même, on l'a repeint. 2,40 €. Et puis, la grande salle à manger, on a fait quelques frais, on est monté à 48,50 €. Et tu as une nouvelle maison pour 112 €. Alors, évidemment, deux jours après, elle est vendue avec une plus-value de 300 000. Alors, je vais à toutes les émissions les plus étonnantes, mais je vais plus bas encore. Je vais à celle qui est la plus grande incarnation sociétale. Je vais... Oui, je vais, et je vous conseille d'y aller si vous n'y avez jamais été. Je vais jusqu'aux Marseillaises. Il faut qu'une fois vous voyez ça. Eux, les jeunes, ils savent. C'est un endroit, ça fait 2 ans que je regarde ça avec intensité. J'ai pas encore compris les enjeux. Il y a plein de nanas qui ont une caractéristique, c'est qu'ils ont des mi-barres énormes qui ne bougent plus. C'est des bombes atomiques, mais très bizarrement, ça, d'habitude, les ça bouge, dans lesquels c'est... Les strings... Les mecs sont hyper bien gaulés. Ils sont des moultubes, très très bons en short, avec la casquette en arrière. Et ça fait 1 an et demi que j'essaye de comprendre. Je sais qu'il y a des histoires de conflits, mais j'ai pas encore saisi de quelle était la nature de ces conflits. Mais un jour, une nuit d'insomnie, je suis tombé sur... Vous savez, ils s'engueulent, et puis après, ils vont au confessionnal. Et au confessionnal, une nuit, vers 3h du matin, j'ai entendu un gars qui répétait cette phrase étonnante. Moi, j'étais en mode love avec la Ella, tu vois. Moi, j'étais en mode love. Je ne vais pas le répéter. Il l'a répété 258. J'étais en mode love avec la Ella, moi. On avait kiffé, toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On avait kiffé, toi. On était en mode love. Et quand même, vers 6h du matin, je dis, tiens, il y a une autre phrase. Vers 6h du matin, j'ai eu envie de boire un petit kawa, très délicatement, parce qu'on est en mode love avec Layla. Je suis parti boire un kawa, sans la déranger. On était en mode love avec Layla. Et il se dirige vers une sorte de bar... Une sorte de bar comme dans Hélène et les garçons. Et là, arrive un moment étonnant. Il y a une femme qui est là à 6h15 du matin. String. Mais... On ne sait pas pourquoi elle est là. Et lui a dû la connaître à un moment, puisqu'il dit cette phrase étonnante. Il lui dit, moi, excuse-moi, j'ai pas envie de boire mon kawa avec le cul dans mes yeux. J'ai pas envie d'avoir des poils de cul dans mon café. J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce qui est arrivé à l'Occident pour... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens au général de Gaulle, Mitterrand, Chirac, Pompidou. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais comprendre comment un homme peut dire à une femme à 7h moins le quart, j'ai pas envie de voir mon corps, tu peux ton cul. Mais le drame, c'est qu'elle lui a répondu,
Mais moi, je m'en bats les couilles, fils de pute. C'est une métaphore qui ne veut rien dire. Personne se bat les couilles. Ça n'existe pas. Vous avez jamais vu un père de famille à qui on dit il n'a pas eu le baccalauréat? Je m'en bats les couilles. Ça fait hyper mal. C'est un endroit fragile. Votre enfant est en prison. Je m'en bats les couilles. Votre enfant a tué 4 personnes dans la boîte de nuit. Je m'en bats les couilles. Mais quand c'est une femme qui dit « je m'en bats les couilles », qu'est-ce qui est arrivé à notre Occident? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens voir, De Gaulle, viens voir. Il s'est passé un truc depuis que t'es parti. Il y a quelque chose qui s'est dégradé. Mais surtout que ça m'a tellement fasciné que j'ai appelé le producteur et j'ai dit « est-ce que je peux participer à l'émission ?» Le producteur m'a dit « Mais vous n'êtes pas dans nos tarifs !» J'ai dit « Mais ça sera bénévole !» Ils m'ont dit « Mais pourquoi ? Parce que je voudrais vous dire, à un moment, vous savez, quand il dit, j'étais dans le confessionnal, il dit bien, on était en mode love avec Laila. » Et le gars, le producteur, me dit « Mais vous connaissez le texte ?» Je dis « Vous savez, je connais Baudelaire en intégralité, je dois m'en sortir, hein, quand même !» Elle a ri très tardivement, c'est bien, 10 minutes après, mais on ne la juge pas. On avait kiffé. Et il me dit, oui, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il se dit. Il se dirige vers la cafétéria. Vous connaissez même les mouvements? Je dis, ben oui. Il se dirige, et là, il y a la fameuse scène où lui dit, je prends une boire mon kawa, ton cul, etc. Et vous savez qu'elle, elle dit, mais moi, je m'en bats les couilles. Et là, moi qui étais caché dans les coulisses, au moment où elle dit, je m'en bats les couilles, fils de pute, moi, j'entre et je dis, un passant lui demande à quel sujet j'écris. Voilà mon homme en pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor, où pris, lui joignant cette pierre. Sommes-nous en temps de guerre pour l'apporter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait de le porter chez vous que dans votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure, bon Dieu, n'est-il point que cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais. Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant puisque vous ne touchiez jamais à cet argent? C'était La Fontaine. Et d'ailleurs, je vais terminer par un des textes les plus drôles que Pascal Bruckner a écrit. C'est extrait de son livre La Sagesse de l'Argent, et ça s'appelle Les Toilettes de Lénine. Dans un rare moment de lyrisme, Vladimir Ilitch Lénine fit aux prolétaires, en 1921, la promesse suivante. La création de toilettes en or pour tous dès l'avènement mondial du communisme. Une fois ce métal dépouillé de toute valeur. Double symbole pour Lénine et le marxisme, les lieux les plus triviaux de la société communiste seront désormais aussi luxueux que les palais de la bourgeoisie. Mais surtout, surtout, la classe ouvrière se soulagera sur l'incarnation même de la rapacité humaine, l'or qui est maudit et dont les liens avec l'analité ont été soulignés par Freud. Le socialisme fera mieux que le capitalisme en même temps qu'il le disqualifiera. Détail piquant, poursuit Pascal Bruckner. Détail piquant, en 2014, la femme d'affaires américaine, Madame Kim Kardashian, et son ex-époux, le rappeur, Monsieur Kanye West, se font construire dans leur résidence de Los Angeles des toilettes en or
pour la cuvette, en or pur pour la modeste somme de 550 000 dollars. Lénine a été entendu. Attendez, Lénine a été entendu, pas forcément par ceux qui l'espéraient. Merci beaucoup. Je vais vous le faire. Il y a une phrase de Johnny Hallyday qui est pour moi la plus extraordinaire qui m'a été donnée d'entendre sur notre relation à la littérature. Oui, je l'ai aimé énormément. J'ai eu la chance de tourner avec lui deux films, dont un qui a été assez long, qui s'appelait Jean-Philippe. Et nous avons tourné la fin de ce tournage qui s'appelait Jean-Philippe à Quiberon. Et nous devions tourner de nuit, parce que c'était les deux dernières nuits du tournage. Et pour tourner de nuit, comme dit Johnny Hallyday, pour tourner de nuit, il faut attendre la nuit. Johnny Hallyday avait le génie de revisiter les évidences. Tout est bidon quand on pense qu'il n'était pas intelligent. Il était extrêmement intelligent. C'était un poète, un douloureux. C'était une âme qui connaissait l'ennui. C'était un être baudelairien, parce qu'il connaissait le spleen. Et il comblait le spleen avec les moyens qu'il pouvait. Et la dernière nuit, nous arrivons au PAT. PAT, c'est pour le maquillage, la coiffure et l'habillage. Et il est 20h40. Moi, j'arrive pour 21h, donc à 20h30, pour m'habiller. Et là, Johnny m'arrête. Tout ce que je vous dis est une histoire vraie. Johnny m'arrête et me dit, je ne sais pas de l'imiter, mais j'ai son phrasé. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? À qui bon? Oh, j'ai dit, Johnny, tu sais, comme d'habitude, j'ai rien fait de particulier. J'ai fait 45 minutes de marche parce que mon tubu me dit que j'ai le cœur qui va trop vite. J'ai fait 45 minutes de marche, j'ai mangé un petit peu. Puis je suis rentré dans ma chambre, j'ai lu un très bon bouquin de Schopenhauer que j'aime énormément, Métaphysique de l'amour et de la mort. Et après, j'ai écouté Glenn Gould, toutes les variations et quelques parties tasses. Et Johnny m'a dit cette phrase étonnante, tu t'es fait chier, quoi. Ça a l'air de rien, mais ça va très très loin. Ça va très très loin. Alors, Nietzsche dit une des plus belles phrases que je connaisse. Il dit, je veux nuire à la bêtise. Eh bien, ce soir, avec vous, grâce à vous, modestement, on a essayé de nuire à la bêtise. J'ai essayé d'alterner les moments intenses qui demandaient une concentration, les moments anecdotiques, drôles, légers. Et c'est par vous, grâce à vous, car Michel Bouquet, qui est le plus grand acteur de son époque, et à qui je pense souvent, m'a dit une des phrases qui me nourrit, comme Jouvet m'a nourri, et Cochet évidemment. Mais Bouquet m'a dit un jour, en me faisant venir dans sa loge, il m'a dit, quand tu auras du succès ou que quand les théâtres seront remplis parce que tu as une telle inaptitude à la jouissance que tu vas devenir un véritable acteur. Tu n'es pas fait pour le bonheur, Fabrice. Tu n'es fait que pour le travail. On ne peut pas être heureux. Moi, j'ai travaillé des milliers d'heures Molière. J'ai travaillé une des répliques de Beckett 1 an et demi. Cette réplique, c'était « Qu'est-ce qu'il a, ce fouet ?»
Il ne vaut plus rien, ce fouet. Et j'étais son répétiteur, je peux témoigner. Il est resté 3 mois et demi sur cette phrase. 600 000 fois, il l'a répété. Qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Il ne vaut plus rien, ce fouet. Et quand Nietzsche dit « Je veux nuire à la bêtise », eh bien, Bouquet disait « N'oublie jamais, Fabrice, que quand le théâtre sera plein, ne crois pas que le public vient te regarder jouer. » Non, il ne vient pas te regarder jouer, il vient jouer avec toi. Et c'est ce que vous avez magnifiquement fait. À bientôt. Thank you.